Les amis, c'est Vadim et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pump Beach pour tester le choker, mais cette fois sur le cuirassé. Alors on va déjà voir ce que ça a changé. Hein, hop, info, toujours les mêmes dégâts, portée très longue. On va voir. On va se calmer. Ok, surtout que je le rappelle, on a la rivale directement dans la même saison. N'hésitez pas à voir la précédente vidéo, elle est trop bien, elle est vraiment trop bien, elle est OP, elle est géniale. Elle est géniale. Voilà. Lui, inutile. Mais on va voir. J'ai fait une composition spéciale pour lui avec 4, donc moitié sugar, moitié bombe vitamine. médecin vitamine, docteur vitamine. Pour le booster, enfin en vrai vous avez compris, donc là j'ai eu quelques victoires, mais c'était pas du tout avec le même deck, donc voilà, pour ça que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais être le seul teubé à avoir fait ça, à avoir amélioré à fond le choker, mais enfin c'est pour une vidéo, c'est pour ça que j'ai un bas coefficient de victoire, enfin en dessous de 50%, c'est à cause des tests que je fais tout simplement, sinon j'aurais été au dessus des 50 ou 50 piles, hein, bien entendu. Ce qui est déjà positif. Donc, je sais pas où attaquer. Il a le canon de la mort et c'est tout. Moi j'ai un gras porteur et un canon de la mort. Il y a moyen d'avoir deux gras porteurs aussi. Je sais pas ce qui est le mieux. Alors j'ai pris les bestioles, je les ai un petit peu améliorées pour pas trop m'embêter. Je garde la captain parce qu'elle est chouette. Voilà, je l'aime bien. Donc on est parti. Ici on va un peu détruire ça. Si ça veut bien. Que eux ils vont foncer, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je suis débile, j'ai bien soin. Ils font aucun dégât. C'est impossible du coup. Et c'est tellement aléatoire. C'est impossible. Ça peut pas marcher. Dans quel monde ça marche? Ça marche pas en fait. Il y a déjà le mec en face. Mais non, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Un test. Pas obligé de réussir le test. Toujours autant de temps de rechargement. Mais oui, mais il peut pas les accélérer parce que ils sont pas blessés. Tout. Au moins ça vise plus ou moins correctement. Mais trop long. Beaucoup trop long. Et leur portée, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils l'ont amélioré? Non. C'est une portée de Zuka. Enfin, un peu plus loin, mais pas beaucoup. Ah bah, allez regarder ma vidéo où j'ai râlé, hein. C'est la même chose. C'est le... Non, mais là, vraiment, Boom Beach, quoi, bordel. Là, vous avez eu un délai, quoi, merde. Et je suis quand même pas le seul à avoir remarqué que vous êtes foutu de notre gueule avec... la portée. Qui a un problème. Faut croire que si... Cette unité sert à rien, mais c'est horrible. Voilà, là ils ont accéléré. Et regardez, ils tirent toujours pas. Ils ne tirent pas ces gens-là. Ils sont. Non, attends. C'est horrible. Vraiment déçu, quoi. Là, je range même pas. C'est déçu. On a bon, on va. C'est. Sert à rien. Cette unité sert à rien. C'est félicitations, vous avez gaspillé. Les jetons dans de la merde. Bravo. Bravo. Parce que vraiment, ils sont max. Hein. Niveau 22, je les ai max. Quelle idiotie. Bon, on va essayer un truc. On va essayer d'en mettre quand même un ou deux. Est-ce que ça marche? Ça sera 100% moins bien que l'électronnière. Ils ne servent à rien. Troupe de merde. Oh là là. Ça commence à m'énerver. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise?
Je comprends pas. Eupella, elle ne sert à rien. Personne ne va la jouer. À part ceux qui veulent la tester pour voir est-ce qu'elle a changé, c'est tout. J'espère quand même qu'il y a personne qui dit que c'est une troupe de ouf. Ah non, j'oublie les filles clonées, ils sont trop cool. Voilà, eux au moins ils sont mieux. Eux au moins ils servent à quelque chose, les fusils clonés. La Zuka Vampire sert à quelque chose. Le Docteur Vitamine sert à quelque chose. Mais le reste, ça ne sert à rien. Les Shockers, c'est la pire unité du jeu. Je connais pas pire, hein. Faudra me citer, hein, sinon je connais pas pire que le Shocker. Il n'y a pas pire, je pense. Ah, peut-être de la même catégorie, il y a l'Azerotron, c'est ça. Non, pas l'Azerotron, Cryotank. Même catégorie d'une unité. Même chose. Vraiment même chose. Cryotank qui fait quasiment aucun dégât comme le Joker. Sauf que lui, au moins, ses distances est respectée. Il coûte trop cher. Là, au moins, il coûte pas cher, donc ça va. Et quoi d'autre? Eh bien, c'est tout. C'est tout. Mais 18 d'énergie pour. Ça, c'est abusé quand même. Ça, ils ont fait fort. Hein. Ils ont réussi à ce que personne joue une unité, quoi. Pourquoi pas, hein. Mais celle-ci, elle est même pas précise, quoi. Merde. Je peux pas la faire payer, c'est impossible. Faire qu'elle coûte de l'énergie contrairement au grenadier. Ça serait mal passé. Bon, on a le Shocker. Je pense qu'on va arrêter, qu'on va reprendre l'électronnière, hein, on va repartir là-dessus. Donc je sais que c'est test du Shocker, mais allez, on va laisser hein, quand même, parce que c'est test du Shocker, justement. Mais il m'énerve. Voilà, je pense que ça s'entend. Il m'énerve vachement. Comme incroyable, je pense qu'on a battu un gars. Oui. Avec ça. Très bien. Pourquoi pas Ah, il me surprend toujours. Toujours. Ici, il y a moyen de pas passer par là, je pense. Donc, on va passer par ici. Ouais, il y a également bouclier qui était disponible, effectivement. Là où il a mis, il sert à rien. Nous, on va faire ça. Oh, le musée de Noël qui s'est enclenché. Joyeux Noël à tous, encore une fois. Toujours le dire. Toujours. Jamais assez, sinon. Ah, piou. Ok. Mais en vrai, leur zone d'action est plus grande que l'électronnière. Parce que le tourneur c'est une ligne, mais ça se recharge plus rapidement. Et ici, voilà. Mais regardez, c'est limite avec les Zookas, c'est trop petit. Faut mettre. Soit c'est la portée qu'ils ont. Dans ce cas, il faut juste corriger ce qui est écrit. Soit ce n'est pas la portée qu'ils ont et il faut corriger leur portée. Il n'y a pas de 36 000 options. Hein. On pourrait croire. Mais non. Il n'y a que deux. Pas beaucoup. Normalement, ça devrait être assez pour balancer les bestioles après. Oui, j'ai balancé. Mitrailleuse. Non, ça va pas finir là-dessus. Ça va pas finir là-dessus. Allez là-haut. Allez, on s'en fout. On rush. On s'en fout de la mitrailleuse. Elle fera rien. Parfait. Serré, hein. Très serré. Très serré, on a fini en même temps. Est-ce que j'ai attaqué avant lui? Je ne sais pas. On a tous fini à 100% et j'ai gagné de 4 secondes. J'avais dit que c'était serré, je l'avais dit. Et on passe au rang 15, parfait ça. Pas encore en or, hein, mais on n'est pas à la fin de saison. À la fin de saison, je suis toujours à l'or. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et sinon, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je rigole, je vous ai eu. Je me suis moi-même en fait, je pense. J'en suis arrêté, mais j'ai vu le coffre en gros qui était pas 100%, et du coup, on continue. On est parti. C'est vrai que je fais pas beaucoup de réflexion. Ah, comment est-ce que je devrais attaquer à ma vie. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent souvent comment attaquer et tout. Et moi, je me dis, on fonce dans le tas, on verra si ça passe. C'est une blague. Je réfléchis évidemment, mais c'est plus rapide quoi. Y a pas le temps, on n'a pas le temps.
On a pas le temps, il faut foncer, il faut foncer. Vous vous aimez quand on attaque, alors on attaque. J'ai mis un deuxième zap pour rien, c'est pas grave, ça arrive. On en a de toute manière en retour, en stop, je voulais dire. Voilà, voilà, voilà. Hop. C'est un tournoi, là, il faut, là je réfléchis évidemment, mais c'est pas un tournoi. C'est tranquille, c'est chill. Allez. Allez, s'il te plaît. Pou. Allez, on continue. Zuka, tu vas prendre la mine, c'est bien. Ouh, et d'autres sont mortes, c'est génial. Génial, mortier. Il a été très rentable, ce mortier. Très, très rentable, le mortier. Bravo. Ici, on peut faire quoi? On peut rien faire, hein, je pense. Peut-être essayer de dégager l'électromine. Piou. C'est fait. C'est fait, c'est fait. On peut balancer des bestioles, j'avais oublié. J'ai oublié qu'elle avait la capacité, hein. Madame Everspark. De balancer quelques bestioles. Est-ce que vous pouvez détruire le bouclier? Ce serait formidable. Ah ben non. Non, non, ils peuvent pas, ils peuvent détruire la salle machine, elle pas mauvais non plus. Bon, là, je pense qu'on a perdu, hein, clairement. Mais c'est cool, hein, le choqueur, voilà, il y a moyen de faire les 4 salles avec, hein, en utilisant qu'un, mais il sert à rien. Il sert à rien. Donc, si vous aussi, vous avez utilisé le choqueur à la place de l'électronnière, pas très malin. Pas très malin de l'avoir d'avoir gaspillé là-dedans, quoi. Mais voilà, en plus, j'ai même perdu mon rang, quoi. Et nous, moi, je vais remettre ça. Voilà, et moi, je dis merci à tous. Qu'est-ce que j'ai cliqué? D'accord, je sais pas. Bref, merci de vous avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouces vers le haut, à partager, à commenter. C'était Vadim. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'espère que ça vous a plu de toute manière. Portez-vous bien, c'est plus important. Et je vous dis à tous. À tous.